Salut à tous, c'est le Gratteur Fou. On se retrouve pour une partie de Machina Sub Before Time Runs Out, donc espérons que je vais pas le regretter car la balance elle a bien explosé suite au précédent jeu. Enfin, il y a eu des hauts débats, mais là on a fait un terminus sur un joli haut. Allez, mise max 115 balles, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il me fait d'entrée? Ok. Bon, ce soit une partie chanceuse, c'est une machine à sous comme les autres, des fois elle paye, des fois elle paye pas. Bon, bien sûr, sur le long terme, c'est le casino qui gagne. Alors, big win, 1000 balles. Hop, 100, allez, go. Alors, si dans la foulée, ils pouvaient me balancer les 3 scatters, ce serait pas mal, et bon, faut pas trop rêver quand même. Bon, c'est vrai que là, j'ai été hyper chanceux sur les précédentes parties, mais après la chance, très souvent, il y a la malchance avec ce genre de jeu. Le précédent jeu, le Fire Roaster, il m'a scotché du slip par win monstrueux. Et voilà, hop, 3 scatters, les gars, on a 100. Ah ben non, c'est un wild. Ok, c'est mes yeux qui m'ont fait un tour, dommage, dommage. Et ben voilà, on perd le chiffre 100. C'est vrai que de premier coup d'œil vite fait, un wild ça ressemble au scatter. Bon après si le jeu rack un gros truc, n'est pas oublié que c'est des mises de 75 balles. Voilà, 4 scatters, les go free game, c'est parti, feature triggered. Donc là par exemple, si ça fait 1x100 par rapport à la mise, ça fait 7500. Bon, si c'était des mises à 7,50€, ça ferait 750 balles. Enfin, c'est clair que plus les mises sont hautes, plus les wins sont élevés, mais quand ça lose, plus les mises sont hautes, plus ça perd. Alors j'espère qu'on va pas se faire planter sur des free games de misère ici. Pas au top niveau win, on est même pas au x10 par rapport à la mise. Alors, soit je te scalpe, soit je te crame la gueule. Ok, scalpé. Allez, petite pierre. J'ai dépassé le x10 par rapport à la mise, mais vraiment d'un brin. Alors, scalpage ou cramage. Voilà, cramage malheureusement. Ben là c'est pas des free games qui vont raquer 10 000 ou 20 000 balles. Bon, on est très loin du x100 par rapport à la mise. Parce qu'on va se taper ne serait-ce qu'un x20. Y aurait-il un big win? 2 free games de restant, ta dernière. Eh ben on n'a pas dépassé le x20 par rapport à la mise malheureusement. 20 free game, bon chiffre 100, c'est déjà ça. Bon, le chiffre 100 va-t-il rester ici? Ça j'en suis moins sûr. De toute façon, les machines à sous, souvent comme ça, ça file un petit bénef, ça le rebouffe par la suite. Donc, c'est vrai que souvent je file des conseils. Si vous jouez aux machines à sous, si vous vous tapez un bénef, arrêtez de jouer, barrez-vous. Enfin, moi je fais souvent l'inverse. Mais c'est vrai que très souvent, ce genre de jeu, il file un bénef, il le rebouffe par la suite. Alors, pomme le chiffre 100. Je l'ai passé sous nos yeux. Bon, après mise maxi 75 balles, ça va, c'est pas des mises à 125 ou 150 balles.
perdra un peu moins vite si on part dans la loose. Et on arrive à moins 1000 depuis le début de la partie, après avoir fait un petit bénef. Scatter, les Go Free Games, c'est parti. Future Trigger, 98. Que des Free Games, on n'a pas eu le 4ème Scatter malheureusement. Alors, est-ce que tu pouvais nous faire un triple scalpage? Ok, hein, parfait, un petit deuxième. J'espère que tu vas pas te faire cramer la gueule, aucun deuxième, parfait. Allez, jamais 203, ça va nous faire pas mal de wild. Mais là, ça m'étonnerait pas qu'il te fasse cramer la gueule en retour. Oh non, il a scalpé, sans déconner. Alors, super wild. Pas de dégoût malgré ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wild, 185 de win. J'ai comme l'impression que tu vas te faire cramer la gueule. Et tiens, dans ta face. Bon, on a collecté les trois petites pierres ici, mais pour collecter les trois suivantes, c'est quasiment mission impossible. Eh ben non, il a esquivé, il t'a cramé la tronche. Est-ce qu'on arrivait ne serait-ce qu'au x10 par rapport à la mise? Va nous faire un triple cramage, ce serait pas mal. Ça nous ferait pas mal de wild. Eh ben non, un coup de flamme dans la tronche. Ah, plus 5, ok, cool. C'est toujours ça de gratter. Alors 98 500. Ça a gratté 5 free games, est-ce qu'on va gratter les deux petites pierres en plus? Sans déconner, 3 wild, il se fait cramer. Allez, 3 free games. Mais non, je crois pas qu'on aura réussi à collecter les autres pierres. Alors, scalpage ou cramage? Voilà, cramage, au moins on est fixé. 140, on a 1245. 99, 132. J'avais commencé à 99, 790 et quelques. Bon, faut pas rêver, hein, les bonus free spin, ça paye pas tout le temps à foison. Donc là, 2 rounds de free spin, hop, on a pas de bénéf. Les free games, c'est rare de tomber sur la série qui rack. Bon, par chance, sur le précédent jeu, le Fire Roster, je suis tombé sur la série qui rack, mais c'était pas gagné. Un petit round 3 de bonus free spin serait pas mal, ou un petit bonus coins serait pas mal non plus. J'ai l'impression qu'on va se rogner un petit peu la balance. Alors, big win, 2000 balles, allez boum, 99 400. Ça, je dépasse pas la balance départ, 99 797, on l'a pas dépassé. Dommage.
Chance numéro 1, chance numéro 2, dernière chance. Et voilà, triple coup du rat. Balle avec la miss. Il se passe plus grand chose au niveau des wins. C'est plutôt tendance à la redescente du côté de la balance. Malgré le petit bénef réalisé en début de partie, on avait dépassé les 100 000 balles, là, tendance inversée. Façon... Oh, feature triggered. Alors, là c'est le bonus pièce. Alors, qu'est-ce qu'il va nous filer? Extra respin, bah tant mieux, parce que là... Extra respin encore. Là, ça sort la cacahuète. Alors, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que... Ça va pas raquer du lourd. 750. Ouais, ok. Pas trop mal. 750, c'est qu'un fois 10 par rapport à la mise. De toute façon, ça jongle entre les parties gagnantes et les perdants, donc là on va peut-être se taper quelques parties pas très chanceuses. On retrouve une partie chanceuse très bientôt, mais c'est toujours en dents de scie. Et scatter les go free game. Alors, est-ce que ça va être les free game qui rack ou qui paye que dalle? J'ai pas trop d'illusions quand même. Alors, est-ce que tu vas nous faire un double scalp? J'ai raté un free spin. Allez, scalpage. J'aimerais bien qu'il balance deux wild ici, mais faut pas rêver. Alors, scalpage quand même. Ah ben non, deux wild par là. C'est pareil, ça va pas être la série qui est rack. On est même pas au x10 par rapport à la mise. Balles, 11 free game, d'accord. Même pas un fois 10 par rapport à la mise. Enfin, c'est mieux que rien, mais... c'est pas vraiment le top.
3 rounds de free spin, un round de bonus pièce. Et moins, ouais, moins presque 6000 balles. Ah, heureusement qu'il y avait les bonus, il n'y avait pas les bonus, je sais pas combien on serait, mais... Bon, je crois bien que ça va être bientôt l'heure de lâcher l'affaire. Un petit round supplémentaire de partie bonus, mais ça c'est pas, pas garanti. Alors, 92, on avait commencé à 99, on avait dépassé les 100. Un coup de gringolade à 92. Allez, 91. Escater, allez go, free game. Qu'est-ce que ça va nous filer? Allez, bah après ça on se casse direct, hein, hop, on verra bien. 405. Allez, The Wild. 150 balles. Alors là, niveau win, on est quasiment x10 par rapport à la mise. Le petit bonhomme, t'as un double scalpage à faire pour du wild, mais donc, il en a réussi un. Hein. Et bien voilà, il n'aura fait qu'un. Oula! 1006, pas trop mal, ça m'étonnerait qu'on remonte à 99 000 balles, mais on verra bien, 4 free games de restante. 2 free games de restante. Allez, la dernière, est-ce qu'on aura une belle surprise? J'ai l'impression qu'elle se fait cramer la gueule pour la dernière. Il a esquivé. Et retour de flamme dans la gueule. Alors 2610, on est remonté à 94. Allez, un petit spin chance, plutôt le spin malchance, j'imagine. Voilà, hop, que dalle. Allez, terminus, tout le monde descend, on verra pour les prochaines. Donc pareil, joli début de partie, puis la fin un petit peu moins. Hop. On verra pour la suite.